La montée de l'appréhension chez les Ivoiriens, un regard sur la peur avant le face-à-face avec le Sénégal en huitième de finale. La qualification de la Côte d'Ivoire pour les huitièmes de finale a suscité une vague d'émotions contrastées parmi les supporters ivoiriens. Bien que la joie et la fierté soient palpables, une teinte d'appréhension s'est insinuée dans l'air alors que le prochain défi se profile face au redoutable Sénégal. Les performances impressionnantes du Sénégal en phase de poule ont propulsé l'équipe vers le statut de prétendant sérieux à la victoire finale. Les Ivoiriens, tout en célébrant leur propre réussite, ne peuvent ignorer la menace que représente cette équipe déterminée. Les discussions dans les rues, les cafés et les maisons tournent maintenant autour de la confrontation à venir, chacun exprimant ses espoirs et ses craintes. La peur émane en partie de la reconnaissance des exploits du Sénégal, mais aussi de l'incertitude inhérente aux éliminatoires. Le football, par nature, est un terrain de surprises et de rebondissements, et les supporters ivoiriens sont conscients que même une équipe en forme peut être vulnérable à tout moment. Les réseaux sociaux, plateforme incontournable pour l'expression des émotions sportives, sont inondés de messages oscillant entre la confiance et l'anxiété. Les supporters partagent des statistiques, des moments clés des matchs précédents, mais également des superstitions et des rituels censés apporter chance et protection à leur équipe favorite. Le passé offre un réconfort mitigé. Les rencontres passées entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont été le théâtre de duels intenses, parsemés de victoires et de défaites des deux côtés. Cependant, le football est un jeu dynamique, et le résultat passé ne garantit en rien le dénouement futur. Dans ce tourbillon d'émotions, les supporters ivoiriens s'accrochent à l'espoir que leur équipe puisse surmonter la peur et rivaliser avec la ténacité sénégalaise. Les huitièmes de finale promettent un spectacle captivant, où la bravoure et la stratégie seront mises à l'épreuve. Quoi qu'il en soit, la peur actuelle témoigne de l'importance que revêt cette compétition pour les passionnés de football en Côte d'Ivoire. C'est une peur teintée d'admiration pour l'adversaire et de l'incertitude inhérente à tout grand tournoi. Reste à savoir comment cette tension pré-match se traduira sur le terrain et quelles histoires le football écrira pour ces deux nations africaines rivales.